Recoucou, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une deuxième game. Donc je vais tout simplement maintenant partir en guerre avec ce véhicule. Allez, on charge, on y va. Donc je ne peux pas tirer moi, il n'y a que mon collègue qui peut tirer. Donc là on a changé de camp en fait. Donc vous allez dire mais comment ça vous avez changé de camp? Donc là on est du camp inverse. Donc on est je crois du camp des Anglais là. Et là vous allez voir ça va plus être la même chose hein. On va capturer les flags cette fois-ci pour faire un peu plus de points. Nickel, mais sauf que je l'ai pas eu ce truc là. Ok, donc en fait c'est pour ça que je suis mort tout à l'heure, parce qu'en fait j'étais dans leur camp en fait complètement. Dans le G en fait c'est pas trop loin de chez eux. On va faire un petit tour directement là-bas en face. Ah, ils vont beaucoup plus vite les véhicules en tout cas. On va directement se rendre à la gueule du loup. Ah, regardez tout ce que je vais essayer d'écraser. Voilà, on va partir de l'autre côté. En mode je m'en fous. Voilà, je l'ai écrasé. Suivant. Je me fais plaisir là, je les écrase. Cette fois-ci, je suis un peu plus énervé. En train de rigoler parce qu'ils apparaissent ici. Allez, je l'écrase aussi celui-là. Vous voyez, c'est n'importe quoi le véhicule. Hein. On va se soigner un peu. Ah là, je peux tout simplement leur montrer que je suis là. Je peux pas trop le réparer celui-là en tout cas. On va bien se marrer, on va essayer de se les prendre à revers. Faut faire juste attention au niveau de l'artillerie parce que là, ils vont voir quand même quelque chose de lourd. Ça, ça me fait trop marrer à chaque fois ces véhicules. On va essayer de les prendre un peu là-bas. Je vais essayer de même leur carotte le point G, tiens, bonne idée. Voilà, donc là on leur a récupéré pas mal de trucs. Donc là on va leur capturer le point G. Ah, le point G, capture-le. Voilà, niveau 2. Donc là, on aura des trucs beaucoup plus intéressants. Tu rentres ou pas, toi? Il veut pas rentrer, lui. Bon, on va capturer maintenant le F. Voilà, la première capture. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a plusieurs possibilités ou plusieurs styles de jeu qui sont propres à nous, en fait, si vous avez envie de vous amuser et après à tout simplement faucher des gens, c'est votre problème, etc., etc. Oh là là, putain, pourquoi il a signé ma présence, lui? Là, je l'ai écrasé. Ah, tire, espèce de nœud, tête de nœud, lui, il a peur ou quoi? Attends, comment je vais m'en sortir rapidement? Parce que je sais qu'ils apparaissent complètement derrière les mecs, tu vois, ils sont déjà là-bas. Je vais l'écraser. Je l'ai même pas eu le type. On a réussi quand même à capturer le drapeau. Ça fait plaisir, c'est le deuxième. Allez, je poursuis. Oh le bordel que je suis en train de faire. Le bordel. Fais gaffe au véhicule body. Ah, il est en train de m'enlever ma vie là, le véhicule. Faut qu'on se casse dans la base maintenant pour le réparer. Je sais pas comment on répare le véhicule, attends. C'est vrai, ils se réparent pas malheureusement. On n'a pas de bol là, ils se réparent pas celui-là. Non, le véhicule anglais se répare pas. À moins que t'as à mon avis un ingénieur qui peut te réparer. Donc là, c'est presque compromis. Attends, je vais l'écraser. Ah, il a complètement découpé.
Oh putain! Ah la vache! Il l'a complètement découpé. En fait, lui, c'est du corps à corps, en fait, ce personnage qu'il avait. Ok. Donc là, faut que je trouve un endroit. Dommage qu'on peut pas le réparer. J'aurais bien aimé, en fait, le réparer, le véhicule, et poursuivre un petit peu ma folie meurtrière avec le véhicule. Ah, il m'a laissé en plan. Saleté de coéquipier. Bon, tu sais quoi, je reviens à la base, moi. Il faut que je me trouve un avion ou un autre truc. Donc là, il n'y a pas grand-chose, là, ce que je vois, non? Non, on a rien, en fait, dans la base, là. Il n'y a pas moyen de le réparer, ce truc? Attends, je regarde vite fait si je peux pas le réparer, sincèrement. Moi, je peux pas le réparer, hein. C'est ouf, hein. Je sais pas comment ça se fait. L'autre, je pouvais, mais là je peux pas celui-là. Je peux juste faire un boucan. Bon, c'est pas grave, écoutez. On va essayer de reprendre un petit peu les drapeaux. Donc là, il me manque le drapeau C. Donc je vais charger directement là-bas. Donc il m'a bien endommagé quand même, le fameux tank. Hein. Il m'a bien eu quand même, hein. Donc là, faut que je fasse très attention de pas faire n'importe quoi. C'est vraiment un train, ce truc là, t'as l'impression. Ah, le F il est en train de disparaître. Donc allez, on part en mode kamikaze. Merde, il est en train de me tuer l'avion aussi. Oh purée, c'est pourri en fait. J'ai fait un accident et du coup ça a complètement... Ah ouais, ok. L'accident peut tuer ton véhicule. Ça je savais pas, tu vois, je viens d'apprendre un truc. Oui, vous allez dire, mais dans la vraie vie, oui, ça arrive. Mais je pensais pas que dans le jeu, il avait intégré aussi ce truc-là. Donc là, je vais attendre un petit peu l'autre char. Hein. Ça va être la partie au char cette fois-ci. Je sais pas s'il va apparaître tout de suite ou un petit peu. Mais alors, franchement, vous voyez, c'est qu'il est vraiment plaisant en fait. Hein. Donc là, on a pu capturer déjà 2-3 drapeaux avec. Et en fait, tout dépend quand vous avez envie de jouer en fait. Hein. Donc après, les Anglais, ils ont quand même un avantage un petit peu différent. Non, là, c'est les Turcs, pardon. Donc là, je vais prendre le. Ouais, bah, allez, tu sais quoi, on s'amuse un peu avec tous les véhicules. Donc là, je suis du côté des Turcs, donc c'était le côté des Anglais qui était pas forcément tip-top, quoi. Ah, mais c'est pas moi qui le conduis. Ah, si, c'est moi. Par contre, faudra que je voile un peu plus haut. Ok, il faudra qu'on essaye de trouver, on va dire, une zone... Ah, tiens, il est là, lui. Je fasse gaffe parce qu'il est en train de me tirer dessus. Donc attends, je vais essayer de bien me positionner. Quelque chose là-bas qui brille. Ça, c'est mes collègues. Ah, 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 ils capturent là. Ah, ils sont tous là. Ah, ok, les ordures, je les vois maintenant. Ils font quand même des dégâts. Attends, est-ce que je peux le réparer en plein vol? Ouais, je peux le réparer. Bouge pas. Je peux pas le réparer tant qu'on ne tire pas, attends. Ah, par contre, t'as intérêt à y aller très très haut pour le réparer. Attends, on va voir. Comme ça, je vous montre un peu tout ce qu'on peut faire. Attends, il est hyper long à réparer. Voilà, il est presque à fond. On peut le réparer plusieurs fois, c'est ça qui est bien. Donc, on a cette possibilité de réparer les véhicules. Cool. Bon, maintenant, à moi de bien jouer. Je peux viser aussi si je veux. Personne ici, Body. Si, il y avait le tank. Merde. Donc là, j'ai pas forcément beaucoup de dégâts, mais la dernière fois, j'ai réussi à tuer des mecs du premier coup, quoi. Sauf que c'est tellement pas... Ah, attends. Peut-être que là, je pourrais... Merde. Faut que je saute. Ouverture du parachute. Faut que je me glisse. Parce que là, ils sont tous en face de moi. Il a bugué. Il a bugué, le mec. Oh, le pauvre, je suis désolé pour toi. Il a bugué. Bah, je suis trop facile à tuer, là. Je suis le mec le plus facile à tuer du jeu. Attends, je vais essayer de le tuer au corps à corps. Ah, putain, ils vont dans le véhicule. We have taken objective Freddy. Il m'a créé avec les snipers qui m'a eu. Putain, mais pourquoi tu m'as vu? Oh, je voulais trop leur faire un coup, moi, me cacher sous la voiture et tout. Oh, t'as pas le temps. En fait, il court pas assez vite, le bonhomme, pour l'instant. J'ai pas encore la classe pour sprinter légèrement plus vite.
Ah, dommage, dommage. Donc, on a quoi comme véhicule? On n'a rien parce que là, ils ont utilisé tout le reste. Mais c'est pas mal quand même, vous voyez? Attendez, on va essayer encore de se régaler. Donc là, je vais patienter vraiment parce que le petit char n'est pas déployé. Ok, donc l'avion, il y a quelqu'un qui l'a déjà pris. Le cheval, je le donne à quelqu'un. À moins que, tiens, tiens, vous allez me demander en fait, est-ce qu'il est bien ou pas? Parce que là, t'es sur un autre côté. Ah non, c'est pareil. En fait, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie. Bon, prenons le cheval, on s'en fout. On va essayer quand même de faire des kills avec. Donc là, je prends tous les véhicules, hein. Ça, je vous montre un peu toutes les possibilités qu'on va avoir. Donc là, ça va être un peu plus le gameplay des véhicules. Tiens, je vais aller directement aussi me permettre de capturer aussi des objectifs, hein. Mais je sais pas comment l'autre il a fait pour avoir le samouraï. Ouah, mais laisse tomber, t'as aucune chance en fait de le tuer le mec. Il suffit juste que t'as un mec avec une mitraillette, et toi t'es avec ton flingue qui tue un coup par un coup, bah tu dégustes ça vite. Ok, c'est pas grave, tu sais quoi, tu m'énervais, je vais retourner dans mon petit Panzer. Qu'à l'époque, il n'existait pas. Mais bon, je le surnomme comme ça. C'était les Allemands qui l'avaient inventé le Panzer. Donc voilà, ce qu'on va essayer de faire là, je vous cache pas, c'est tout simplement leur botter un peu plus les fesses. Mais il est là le truc. Hein. Ils l'ont abandonné là-bas, les ordures. Donc je suis pas sûr qu'il va apparaître tout de suite. Hein. Mais franchement, vous avez vu, on a pas mal vraiment de possibilités de faire ce qu'on veut en fait. Hein. Donc après, je peux peut-être changer de classe aussi. Parce que je vous avais montré les autres classes, je vais vous montrer aussi le sniper. Comment il est. Donc, le petit véhicule, il faudra juste patienter quelques instants. Parce que je vois qu'il y a déjà deux avions. Ah, il est là en fait, le véhicule. Ah, tiens, là il vient de mourir. Donc là, le véhicule, il vient de lâcher. Donc, ça veut dire que l'autre, normalement, il est censé arriver dans pas longtemps. Mais vous voyez, le cheval, en fait, il est bien, mais ça dépend ce que vous avez envie d'en faire. Parce que je pense que cet atout, ce qu'il faudra faire, c'est avoir des bonnes classes, en fait, pour pouvoir avoir la possibilité de couper des têtes, etc. Je pense qu'il doit y avoir des classes à cheval. Je pense que c'est obligatoire. On reprend l'avion. Je prends le premier véhicule qui vient. Hein. Bon, maintenant, body fait honneur, fait des kills. Merde. Je vole trop bas moi à chaque fois. Tiens mais en fait c'est lui qui me tue à chaque fois. Attends, je vais essayer de l'abattre lui. Elle me laisse même pas le temps de me redresser qu'ils sont déjà en train de me tirer dessus. À ce qui paraît on peut larguer des bombes aussi, mais ça je sais pas du tout comment faire. Attends, je vais récupérer sans me piquer la gueule là. Ah, je vais essayer d'abattre leur véhicule là-bas. Par contre, avec le désert, c'est pas évident. Hein. Ah, je l'ai bien touché quand même, le véhicule. Merde. Je vais voler un peu plus en l'air. Donc là, j'ai un collègue derrière moi. Vous voyez? Il va rien comprendre à mon pilotage catastrophique. Voilà, c'est quoi? Je vais laisser faire un peu de trucs. Je vais lui permettre de voler beaucoup plus bas. Presque à la hauteur des ennemis. Voilà, bonne nuit. Ça allait apprendre à vouloir dégommer mon avion. Je me cache dans ça encore, comme ça on va croire que c'est moi l'ami. Ah ouais, carrément, tu peux faire ça. Quoi, c'est moi qui ai tué? Non, tu blagues. Merde, il y a un véhicule, body, là. Il y a un véhicule sur moi, là. Ah non, ça c'est un collègue, ça. Ça c'est sûr que je cherchais. Ah ouais, il peut être que tout seul dedans. Oh le crevard. C'est qui m'a tué? C'est l'avion carrément. Bien joué, bien joué. J'étais une cible trop facile pour lui. Donc à mon avis, vous allez bien déguster au niveau du ciel aussi. Hein. Parce qu'il faudra vous protéger dans les bâtiments, je pense. Donc là, il s'est un petit peu régalé avec moi. Donc là, il y a un véhicule qui a été déployé, mais malheureusement, je peux pas l'utiliser. C'est pas grave. Hein. Donc l'avion, il y en a deux en vol. Ah, je vous ai pas forcément montré le sniper, mais attends, j'évite de prendre le cheval parce que chaque fois ça casse ma classe en fait. Voilà, quelqu'un l'a pris, quelqu'un lâchait l'affaire. Moi, ce que je voudrais bien, c'est vraiment. Attends. Récupérer. Mais l'avion en fait, il est bien. Hein.
Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment apprendre un petit peu à le remaîtriser, quoi. Mais c'est exactement la même chose que sur le 4, parce que sur le 3, Battlefield 3 était super dur l'avion à maîtriser. Il y a pas mal de personnes qui se plaignaient parce qu'ils avaient du mal, mais dès qu'on le maîtrisait, c'était un pur kiff. J'ai vraiment kiffé le maîtriser sur le... Bah, sur le... Comment expliquer ça? Merde, 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 merde. Mais pourquoi tu me fous sur le A? Je préférais vraiment l'utiliser beaucoup sur le... Sur le Battlefield 3, moi. Elle a pas une grande portée non plus, hein. We have lost objective Charlie. À part te balader body dans les avions, tu sais tirer ou pas? Oui, t'inquiète pas. Un jour on y arrivera. Pas tout de suite, mais un jour on y arrivera. Je vais faire une petite bataille là. Aérienne, je vais essayer de le poursuivre. J'arrive vraiment à le tuer. Je suis derrière lui, donc ça peut être normalement plus facile, non? Faut vraiment que je vole beaucoup. Oh là là. C'est super pas évident. Il a largué des bombes, lui, par contre. Oh l'ordure, il largue des bombes. Ah, ça, il m'a semé. Maintenant, c'est lui qui est passé en mode chasseur. Il a largué des bombes, l'ordure. Hein. Comment tu les largues? C'est géant ou pas? Non. Oh là là, c'est quoi ces touches là? J'ai appuyé sur la touche F et ça m'a sorti ça. Tiens, j'ai rien vite fait. Comment tu largues les bombes? Attends, normalement c'est... Ah bah voilà, c'était ça. Bah ok, on va leur larguer des bombes. Ah, je peux plus. C'est qu'une fois que tu peux les larguer. Ok. C'est bien fait quand même le largage des bombes. Hein. Attends, il y a un mec à cheval. Je pense que cette fois-ci, je peux me le faire. Ça t'arriverait pas de... Tu veux pas aussi faucher le mec avec ton truc? Non, à peine. Le body veut faucher les mecs. Attends. Je vais repasser derrière eux, derrière les positions. Merde, en train de bien me tuer. On va réparer vite fait le véhicule. J'espère qu'il va pas me tuer. On a réparé légèrement, mais pas tout. Je suis en train de me péter la gueule, mais c'est pas grave. Faites comme si vous avez rien vu. C'est bon, j'ai réparé le véhicule. En fait, on peut rester indéfiniment dedans. Ah, il est là, le connard. Putain, il ralentit, lui, l'ordure. Il m'a bien eu, quand même. Donc là, attends. Je crois que j'ai touché personne avec les bombes. Mais je suis gris, là, je comprends pas. Ah, parce qu'on est en train de presque perdre, là. Non, on est en train de gagner, j'ai de la chance. Je vais essayer de bombarder les petites positions où j'étais tout à l'heure, il y a quelques secondes. C'est bien fait quand même, hein. Bon, par contre, faut apprendre à maîtriser l'avion. Hein. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Ah, les bombes, tu les as pas tout de suite, quoi. En fait, il y a vraiment un vrai temps de chargement, quoi. Ah, c'est la tempête qui fait ça. Ok. Bah voilà, on a remporté la victoire cette fois-ci. Donc, ouais, j'ai vraiment bien apprécié les véhicules. Donc, franchement, c'est beaucoup plus kiffant de rester dans les véhicules. Et aussi, de temps en temps, faire un petit tour dans les deux, quoi. En fait, dans le mode terrestre. Donc là, on s'était un peu plus régalé, quoi. Ça fait un peu bizarre sur PC de voir des photos, quoi. Donc, on a fait quoi? On a fait un score pourri. Donc là, on a un petit peu avancé niveau, au niveau des niveaux. Voilà. Non, j'ai fait 5-5 en fait. Hein. Donc je suis mort 5 fois, j'en ai tué 5. Hein. C'est pas ouf, mais voilà, je suis resté dans les véhicules bien souvent.
Ah, ça c'est le global en fait, le ratio global. D'accord. Donc pour l'instant, je prends très cher. Mais sinon, dans l'ensemble, on a fait une partie normale. Donc voilà les amis, j'espère que les véhicules vous ont fait plaisir. En tout cas, nous, on se retrouve tranquillement pour la suite dans d'autres petits épisodes. Donc là, je vous ai montré une partie normale au niveau des véhicules, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et après, je changerai de carte. Donc là, on a pu voir que les deux forces ne sont pas forcément les mêmes. J'ai vraiment apprécié le côté turc parce qu'ils ont des véhicules beaucoup plus importants. Mais on peut pas les réparer. Et oui, donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.